Donc, j'étais en train de dire que. Ouais, excusez-moi, parce que. Ouais. Voilà, alors que vous avez fait. Mon ami est parti. À cause de Facebook, je perds tous mes amis. Parce que celui-là, je ne me suis pas levée pour l'accompagner. Ouais, oh, ça m'énerve. Il faut qu'elle appelle avec le fixe, là. Je lui dis que. Il est quelle heure? Le problème, c'est que quand elle lance le direct, elle commence à me dire qu'on part, tout ça. Donc, du coup, je vais me servir un peu le rosé. Vraiment, comment je mange mal comme ça? On sent que je mangeais mal là. Hein? Donc, ouais, je vais appeler mon ami quand même. Je vais prendre le fixe et l'appel. Je vais me servir un peu le rosé quand même, non? Donc. Pardon, hein. Maman, les maisons de maintenant. Pardon qu'elle devienne milliardaire vite. Je ne vais pas vivre dans une grande maison parce que ça capte que c'est tout petit là. Laissez un peu le rosé parce que c'est du poisson que je mange. Donc, du coup, le rosé, c'est ce un petit rosé là. Ouais. Hey, maman, ma copine est partie. Elle fait comment maintenant? Parce que tout ça à cause de Facebook. Ma copine s'est fâchée, elle est partie. Normalement, elle devait l'accompagner, mais à cause de Facebook, pourquoi? Hein? Maman, les maisons de Mbeng, pardon, je ne suis pas enceinte. Ah oui, je suis enceinte, bien sûr. Donc, comme j'étais en train de vous dire, donc. Donc, du coup, la pétasse là, décarteuse, tu as fait la stratégie, tu as pris les fans de compresseur. Tu as fait spray. La TKC. Avant de partir, tu as mis la TKC en l'air. Tu as détruit la TKC. Beaucoup de gens sont partis de la TKC. Parce que tu n'es qu'une chaîne. Tu n'es qu'une pétasse. Qui. Les Africains aiment trop le riz. Une bande de putes. Une bande de chiennes. Une pétasse. Tu es venu. Tu as pris les fans de compresseur. Tu as pris les. Tu as détruit le compresseur. Tu as pris ces. Tous ces fans sont partis, sont avec toi. Tu t'enregistres, tu dis. Pourquoi tu ne viens plus défendre le compresseur en fait? Pourquoi tu ne viens plus défendre? Toi qui disais que compresseur c'était ta soeur, compresseur, tu es ma soeur, je meurs pour toi. Mais quand compresseur a eu les problèmes avec Nadège Mbapa d'ailleurs, que j'ai accueilli avec à bras ouverts. J'ai accueilli Nadège Mbapa. Vous avez dit, ouais, mais pourquoi tu n'as pas refusé, maman? Quand ça vient de la famille, tu peux refuser. Que les sources sûres que personne ne va. Mais attendez, c'était vraiment un très gros chantier. Quand j'ai reçu le chantier de Nadège Mbapa, un très gros chantier dans la team PDG. Parce que les carteuses ont toujours rêvé d'avoir les gros chantiers comme moi. Mais elle n'a pas la chance qu'on lui donne les travaux. C'est chez moi qu'on confie. Les grosses œuvres et les finitions. C'est moi, Flore Delis, qui fait les grosses œuvres et les finitions. Ma société. La reine met ses abeilles. Je reste comme ça un beau jour. Mon téléphone sonne. J'étais à la gare du Nord. Je partais donner mon téléphone qui était tombé au Pakistanais. À la gare du Nord. Je suis en train de marcher. Un téléphone, un numéro m'appelle sur WhatsApp. Je ne connais pas. Mais je décroche parce que c'est mon téléphone personnel. Allô, Flore, c'est Nadège. Je dis, quelle Nadège? Nadège Mbapa. Je dis que, quelle Nadège Mbapa? Elle dit que Nadège Mbapa, que tu connais la soeur de... Je dis que, ah, je dis que, ok, ne quitte pas. J'ai laissé ce que j'étais en train de faire. Parce que c'était un appel tellement important dans la team PDG. C'était un de ces gros chantiers. Mais je ne lui ai pas montré que c'était un gros chantier. Quand elle m'appelle, elle dit que je n'ai pas le temps, je te rappelle. Mais je faisais exprès, j'avais le temps. Parce que je suis chef d'entreprise, maman. Même quand tu veux gagner un chantier, tu ne vas pas montrer tout de suite
à ton client que oui, ça te plaît. Montre à ton client que tu as tellement de chantiers que les gens te supplient avec les chantiers. Donc, du coup, le jour-là, quand Nadine Papa commence à me parler, je dis que non, 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 je ne veux pas de problème et tout. Elle dit non, je ne veux pas te faire les problèmes. Je dis que non, tu sais, je suis très occupée, je vais te rappeler. Mais je ne faisais rien. J'étais là, j'attendais 15 minutes dans ma voiture, sur place. Je suis restée 15 minutes. Après, j'ai rappelé maintenant, lui a dit que oui, je suis là disponible. Parce qu'une vraie chef d'entreprise, c'est comme ça, maman. Je ne veux pas même me vendre à 5 francs aux gens quand même. On ne va pas m'appeler, commence à dire que je n'ai pas de work alors que j'ai des gros chantiers. Quand tu es une entreprise fiable, une entreprise sûre, même si un client vient, montre toujours à tes clients que tu as tellement de chantiers que tu ne sais même pas où mettre les travaux. Donc, c'est comme ça que je m'assois dans la voiture, parce qu'elle partait de mon téléphone. Du coup, quand elle m'a appelé, j'étais là chez le Pakistanais, mais je suis ressortie. J'ai dit au Pakistanais que, ok, je reviens. Je n'ai même pas dit que c'est combien. J'ai dit que fais, je vais te payer ce que tu veux. Je suis allée m'asseoir dans la voiture. J'ai attendu 15 minutes et je l'ai rappelé. J'ai dit que bon, je suis maintenant disponible. Alors qu'elle ne foutait rien. Ça ne me coûtait rien de commencer à trop lui parler là, mais je veux trop lui parler pourquoi? Je me donne une importance, une PDG, je suis la reine mère. Je n'ai pas commencé à faire, oui, que quoi? Tu es en train de me donner le dossier. Maman, même quand tu m'amènes un dossier, te montre, je te fais d'abord souffrir. Moi, je ne prends pas les dossiers comme ça, comme si c'est que je galérais du work dans ma société. Non. Même pour me remettre un dossier, tu m'appelles même 5 fois, même une semaine. Tu passes même par les gens pour dire que. Il faut demander le dossier, si là. Le dossier même du frère de Lady. Le frère de Bobson. Vous connaissez combien de personnes il est passé par eux pour arriver à moi? Mais il y a même les gens que je connais bien qui m'ont envoyé même les messages que oui, s'il te plaît, on avait le frère. J'ai laissé une semaine passer encore. J'ai laissé dormir encore une semaine le chantier là avant de récupérer. Moi, je ne prends pas les chantiers comme ça. C'est pour ça que vous aurez toujours tout ce que je rejette. C'est comme ça que Nadège me ramène un gros chantier, un gros contrat. J'écoute d'abord tout. Tout ce qu'elle a me dit, j'écoute à bras ouverts. Et je lui demande parce que moi. C'est comme ça que je demande à Nadège, est-ce que tu peux témoigner en direct, en live? Parce que la qualité, le gros chantier, si là, je ne peux pas venir répéter qu'elle a dit que non. Mieux elle-même, elle parle. C'est où je donne un rendez-vous, je ne suis même pas sûre qu'elle peut honorer. Quelqu'un peut venir te donner un devis pour un chantier. Et un devis ne veut pas dire que tu gagnes le marché. Hein? Tu fais ton devis, tu donnes, après tu attends qu'on te rappelle. Quand maintenant je fais mon devis, je donne à Nadège que oui, le chantier peut démarrer. Le soir à 20h, je donne rendez-vous. Elle dit que oui, donne. Entre-temps, elle m'appelle quand même, m'appelle. Bon, je ne décroche pas trop parce que je n'ai pas envie de trop parler. Et puis, elle dit que oui, je vais lancer les travaux à 20h. Le jour à 20h, on a lancé les gros travaux. Les gros travaux que vous connaissez oh, sur Compreput. On a lancé, le monde entier écoutait. Mais je n'ai pas vu les carteuses venir défendre. Compreput. Tu la défends pas par rapport à quoi? Est-ce que Nadège c'est ton ami? Tu la connais pas, c'est pas ton ami. Mais tu as poum, parce que tu es parti chez Nadège dormi, tu as pissé là-bas. Tu as pissé au lit chez elle. Cette écarteuse. Je ne décroche pas. Va te faire foutre. Donc du coup, comme l'écarteuse était chez Nadège, qu'elle a mangé, elle a bu, elle a pissé sur le canapé blanc. Elle a bu, elle a pissé sur le canapé blanc, blanc du canapé. Tu sais que tu vas quitter les classes écarteuses, tu vas revenir. C'est moi, Flo, qui dis que tu au come back. Tu vas venir te justifier sur ce que je dis. Les écarteuses, viens nous faire une vidéo. Tu ne dis si tu n'as pas pissé sur le canapé blanc, blanc de Nadège Mbappa. Tu es entré chez Nadège Mbappa. Parce que Nadège Mbappa n'a jamais voulu d'abord la paix entre toi et Compressor. Elle avait refusé. Même une fois dans les vidéos, quand elle a dit que je préfère la paix entre Compressor et Flore que Compressor et Lolo. Nadège Mbappa avait refusé la paix là. Comme le couple Njansan a tout fait. Vous avez maintenant fait. De toi. Donc, comme le couple Njansan a tout fait, vous avez fait la paix parce qu'il devait être là. C'est pour ça que tu as couru Kounia à Kounia. C'est Nadège qui a préparé la nourriture à 100 euros. La nourriture à 100 euros que Compressor, elle a payé apparemment. Puisque comme elle vit dans une chambrette, elle a payé pour que Nadège reçoive chez elle. C'est comme ça que vous avez bu les bières chez Nadège.
Chou n'est pas venu le jour-là. Adou. Adou n'est pas venu. C'est comme ça que toi, les cartes, tu arrives avec notre soeur qui est en dépression, en thérapie. Elle est en thérapie. Tu arrives avec ma ministre. Vous commencez à crier comme les folles. Mais vous êtes folles depuis. Vous entrez chez quelqu'un. Vous commencez à pisser derrière le couloir. Vous n'avez pas honte. Vous entrez chez Nadège ici, là, à machin. Ici, à Janté, vous commencez à pisser au couloir. Ou bien tu croyais que quand tu devais entrer, comme la caméra t'attendait, tu allais avoir 100 000 vues. Oh. Maman, tu as tapé bien poteau. Les gens ne s'intéressaient pas. Maman, qui avait vu le soir de la réconciliation? Les gens ne s'intéressaient pas à toi. Parce que tu n'étais. On s'en foutait de votre réconciliation parce qu'on savait que c'était l'ombrakata. Ce n'était pas sincère. Les gens s'en foutaient éperdument de ça. De ta réconciliation à 2 balles. Parce que tu n'es qu'une pauvre chouette. Tu es une vieille chouette. Tu n'es qu'une pauvre chienne. Qui t'assoit sur quelqu'un, tu oublies, tu crois que tu as fait un rêve, tu pisses sur le canapé. Tu as oublié, tu étais là, tu avais tellement bu. Entre-temps, compression ne gérait pas. Quand vous partez, tu squattais derrière tous mes ennemis. On m'a bloqué là. Et on a signalé ou quoi? Mais vous avez signalé pourquoi? Je n'ai pas encore fini. Je suis là, c'est lundi. Ouais, je veux bloquer. Ils savent qu'elle est postée. Attendez, Maman, attendez, j'éteins. Je vais éteindre comment? Maman, mon portable a planté. Je vais faire comment? Ouais.